tous les ingrédients du polar sont réunis. Une disparition, un enlèvement, un assassinat, une intrigue, du suspense, une chute inattendue. Donc c'est un polar, oui, mais pas que. Pas que parce qu'il y a une dimension, disons, associée, une dimension historique. J'avais envie de faire découvrir au lecteur des ambiances contrastées de trois lieux, une ambiance contrastée donc, durant la guerre 39-45, puisque le roman se passe dans les années 41-42. Donc d'abord, l'ambiance de Beyrouth. Parce que nous, occidentaux, quand on évoque la Seconde Guerre mondiale, on a tout de suite des images de la Shoah, de la barbarie nazie, de la collaboration, etc. etc. Et il faut savoir qu'à Beyrouth, en 41-42, et même 45, l'ambiance n'était pas celle-là. La guerre se résumait à un conflit, disons, diplomatique entre les gaullistes et les britanniques, qui avaient évincé ensemble les forces vichistes et qui se disputaient pour posséder le contrôle de la région. Mais c'était juste une guerre diplomatique. On était loin des affres de la guerre en Europe, à Beyrouth, en 1941-1942. Donc, le principal du livre se situe à Beyrouth, mais aussi à Nice. Et là, évidemment, c'est plus une histoire. Le lecteur découvrira d'ailleurs une sombre histoire de collaboration. Là, l'atmosphère est inquiétante, menaçante, troublante. Et ensuite, Bergen, avec l'horreur de son camp. Donc, trois ambiances contrastées. Donc, c'est un polar, mais un polar historique. Une troisième dimension s'ajoute. Il s'agit d'une dimension plutôt psychologique, puisque le lecteur découvrira, disons, des problèmes identitaires auxquels l'héroïne, Elsa Stein, se trouve confrontée durant le long de sa vie. Un problème identitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle va découvrir sa judéité tardivement, une judéité que son père a reniée. Donc elle va se sentir allemande, parce qu'elle est allemande, elle est Ashterne, puis juive, puis allemande plutôt que juive, puis juive plutôt qu'allemande, puis finalement ni allemande ni juive. Enfin, elle est complètement paumée. Et cette instabilité identitaire va conduire à une non-rationalité de ses comportements, une étrangeté, une amoralité, des inquiétantes attitudes. Voilà, donc, polar, historique et psychologique. Un souvenir, l'inconnu du deuxième bureau. Un souvenir, je devais avoir 6 ou 7 ans, je me rappelle d'une conversation entre mes parents qui venait de voir une pièce de théâtre. Et je me souviens, donc plusieurs décennies après, de quelques paroles de ma mère. Je l'ai rencontré au deuxième bureau. Alors j'ai su plus tard qu'il s'agissait de Marcel Mitois et que la pièce que mes parents avaient vue ce soir-là était Croque-Monsieur, et que Marcel Mitois, auteur dramatique, avait créé au Théâtre Saint-Georges, et que ma mère avait rencontré ce monsieur, ce Marcel Mitois, au deuxième bureau. Mais quand j'entends à 6-7 ans « deuxième bureau », je ne connais même pas le sens de ce mot. Mais il est imprégné, à ce moment-là, petit garçon que j'étais, d'une certaine fierté de ma mère, mais aussi d'un certain mystère, d'une certaine énigme. Elle n'en a jamais reparlé. Et donc, voilà, le deuxième bureau. Et c'est dingue que c'est quelques mots, 5 ou 6 décennies après, finalement, viennent inspirer l'histoire, le premier film de la pelote qui constitue mon roman. Et l'inconnu, bah, finalement, c'est ma mère. Un inconnu, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là, en 41-42, comme secrétaire, sans doute, au deuxième bureau. Voilà, l'inconnu, au deuxième bureau. Oui, alors certains peuvent penser que j'ai eu un parcours atypique, puisque j'étais professeur de philosophie, ensuite docteur en pharmacie, et aujourd'hui, depuis de longues années, j'exerce la psychanalyse à Paris.
On peut penser finalement que c'est un parcours atypique, hétérogène, quoi, et qu'il n'y a pas de logique. Mais j'ai découvert une logique, justement, grâce à la psychanalyse. Voilà, quelquefois, enfin, quand on se pose la question de pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ce choix, on est assez à l'aise d'exprimer des arguments conscients. J'ai fait ça parce que ça, j'ai fait ceci parce que ceci. Mais en fait, c'est pas de tout ça, la plupart du temps. Ce qui est à l'œuvre et ce qui mène maintenant, c'est pas du tout notre conscience, c'est pas du tout des raisons conscientes, mais généralement, la plupart du temps, des fantasmes inconscients qui sont liés, c'est simple, soit à papa, soit à maman, soit les deux. Donc, en résumé, pharmacie, c'était plutôt lié à la problématique de ma mère, philosophie, plutôt liée au désir de mon père, et la psychanalyse, c'était un moyen d'assumer un désir moins aliénant. Voilà ce que je peux dire. Mais ce dont je suis sûr, c'est que lorsque l'on écrit, lorsqu'on sculpte, lorsqu'on parle, lorsqu'on crée, ce que l'on montre, c'est ce qu'il y a de plus intime, ce qu'il y a de plus étrange, ce qu'il y a de plus familier aussi, qui est en nous, ce que les Allemands appellent unheimlich, l'étrange familiarité. Et ça, c'est ce qui est montré dans toutes les œuvres de créateurs, sous forme évidemment cryptée, codée. Ici, ça prend la forme d'un roman policier. Écrire, c'est pour la gloire, l'argent, la reconnaissance. Évidemment, c'est illusoire et ça se passe que très rarement. Et puis, si c'est le cas, votre désir sera soutenu que pendant quelques semaines. Si vous écrivez par contre régulièrement et vous finissez quelque chose que vous avez commencé, c'est plutôt un élan. C'est plutôt un élan qui vous pousse. Les latinistes entendront les vis interbus, les forces par derrière qui nous poussent et les raisons de cet élan. N'est pas représentable. On ne peut pas mettre de mots sur cet élan. On écrit, c'est un désir sans cesse renouvelé. Alors on peut s'y approcher en faisant l'analyse, mais on ne pourra jamais l'écrire, y mettre. On l'écrit peut-être sous forme de roman, sous forme cryptée, mais jamais en l'écrire, en tout cas, une explication rationnelle. Et dernière question, donc, la cible de mes lecteurs potentiels. Ben, la cible des lecteurs, d'abord, sont tous les amateurs de polar, évidemment, ils seront ravis de lire le cas. Ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est que, je parlais tout à l'heure de problèmes identitaires, mais c'est la source de ces problèmes identitaires, ce sont les silences familiaux, qui sont parfois non dites, justement, pour protéger la personne, toujours avec une bonne intention. On sait que l'enfer est pavé de bonne intention, et quelquefois, effectivement, les silences familiaux mènent, commandent des comportements qui sont parfois terribles, et qui mènent, justement, dans ce roman, à l'incroyable destin de l'héroïne Elsa Stern qu'elle n'aurait certainement pas voulu. Donc finalement, ça fait pas mal de monde.